Nous saluons tout le monde, pas oublier c'est l'équipe Haïti. Et l'équipe Haïti nous toujours paraît chaque mois pour nous capables présenter une rubrique ça qui relève créativité la caille. Et je dis à groupe équipe Haïti dans visite, dans tournée qu'elle a fait, nous retrouvons nous Gonaïve. Nous connaissons qui ça Gonaïve représente pour le pays d'Haïti. Et c'est Cité de l'Indépendance. Et dans Cité de l'Indépendance, nous retrouvons nous dans Mille Royal. Je dis à nous allons faire un petit coup de pied. Et nous rencontrer ensemble avec Mathieu qui s'est guide en dans Mémorial. Et c'est lui-même qui va l'expliquer nous qui ça qui Mémorial là et qui ça Mémorial là représenté pour nous dans Gonaïve et puis en Haïti. Je vais dire que Mémorial de l'Indépendance, chaque visiteur qui vient là, une question toujours posée, nous demandons de lui, dans Mémorial, qui nous où est? Je dis mémoire. Ça veut dire que c'est de là déclenché pour me dire que là, son lieu de. Depuis que mémoire, son événement qui est passé, que nous avons mémorisé, pas vrai? Yeah. À travers le temps. Donc là, c'est ici que je dis, j'ai signé les actes de l'indépendance nationale d'Haïti. C'est là où je dis, j'ai signé l'acte de l'indépendance nationale d'Haïti et que tu as proclamé le 1er janvier 1804 et sous place d'Amont. Gonaïve. Et ça m'a dit que Mémorial de l'Indépendance, en fait, de patrimoine, m'a dit que seulement ils sont patrimoine national, mais ils sont patrimoine universel. Dans le sens que sa mémoire que l'y évoquait, événement, histoire que l'y évoquait, sont histoires qui concernaient le monde entier, puisqu'il s'agit de liberté. Vous comprenez? Et toute la création n'attend-elle pas avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu? La fils de Dieu, comme vous l'avez dit, les hommes de bonne volonté capables de lutter comme si pour la terre, pour liberté, droit de l'homme, respecté, et bien on connaît Haïti souffre en pile pour question de droit de l'homme, non? Donc là, son lieu est que en pile monde, tout le monde entier, sans pas faire orgueil, le monde entier est venu là, en pèlerinage, pour venir songer, donc aucun chaîne événement qui était passé, côté que nous avons proclamé la liberté générale. Et donc ça veut dire que nous avons une histoire extraordinaire, nous avons une histoire universelle. Je dis à Mémorial, il représentait, j'en dis à, il y a une mémoire universelle. Universelle. Et pour nous-mêmes, Haïtiens, qui ça il est capable de représenter pour nous-mêmes qui gagne mémoire ça à la caille nous. Qui ça le doit représenter pour nous? Écoutez, je suis cité à l'air et Wilfried Bertrand, directeur et archives nationales, la conférence que M. Tebaye. Et forum libre du jeudi, monsieur était participé et monsieur dit ce forum là c'était patrimoine culturel et artistique d'Haïti en péril. Et monsieur cite un bagage, monsieur dit pour qui ça Haïti qui joue tout rôle ça dans l'histoire de l'humanité. Pour qui ça je dis Haïti c'est un pays qui est classé comme le pays le plus pauvre, le moins démocratique. Monsieur dit cause en pile, mais une cause fondamentale c'est parce que tout ça qui fait valeur nous en tant que peuple libre, souverain, indépendant, tant que patrimoine bâti nous, culture, toute tradition nous quittons à la merci. Ouais, tant que vous venez archiver, vous venez comme ça, en certains moments, avant, monsieur Télim, il faut permettre que le bagage soit revalorisé. Mon terrain, comme si des dossiers de mémoire et qui étaient abandonnés. On est capable de dire, un pays qui n'a pas d'archives, c'est comme si cela avait même si il y a, comme si on recommençait. Archive la paix, tout par exemple, moi, par exemple. Importance sur archive. Et vous avez droit comme si vous avez, je dis, en 2018, vous avez fait un projet sur vaccination. Oui, mais vous êtes obligé d'aller dans l'archive pour connaître, est-ce que vous avez un projet déjà sur vaccination en 1900 et qui s'est déjà écrit, qui dossier, qui recherche qui était déjà fait, qui s'est recommencé. Oui, c'est-à-dire que l'archive la permet pour connaître côté nous t'es arrivé, côté nous t'es campé pour continuer, mais au lieu que nous recommencer. Ça veut dire que un peuple sans mémoire, c'est un peuple qui va connaître côté le bralé. Par exemple, je dis, on a l'impression que si le peuple haïtien, s'il pas connaître qui est peut-être, s'il pas connaître l'histoire, c'est comme si son peuple, Joël Avivla, là, un peuple qui pas connaître mémoire, il est appelé à disparaître. Donc, c'est grâce à mémoire qu'il est capable de valoriser être en prison, même quand il apparaît dramatique. Parlez-nous de Mémorial, qui j'en jeune à travers Gonaïve ou bien Gardi à travers Haïti. Yo recevoir ou bien qui j'en visiter, est-ce qu'il y a un flux de personnalités qui est toujours venu? Oui, il faut me dire que le mémorial là vient symboliser en source, en temple de l'universalité, ou bon, de inter-haïtien, inter-zone, inter-départemental. Ou après, mon nom vini, il sorti depuis Aker, il sorti depuis notre Camperin, et puis il vient là, il sorti au Kaye, et puis il vient là, il sorti comme s'il est là, Kaye. Et donc, question me toujours posée, la fois dernière, il y a un groupe qui est sorti. Si vous avez dit, dis-moi bagaille qui la caillou que nous, le département de l'Artibonite, il
capable de visiter. Et puis, il commence à parler de mon héritage. Par exemple, il a parlé de Kai, que des salines, des salines de bon fond de l'autre bois. Mais là, il a parlé comme si on avait l'impression que c'est même histoire qui a déroulé. C'est même histoire qui a continué. Ça veut dire qu'au fond, au patrimoine, il est capable de servir en sorte de, comme une source de ralliement. Donc, nous avons le mémorial là, comme ça, c'est le mémorial de l'indépendance nationale d'Haïti. Okay. Ici, fut rédigé et signé les actes de l'indépendance nationale d'Haïti. Bien sûr, s'il a des clubs qui le Chougana Club en bas, on a point que nous mettons un mémorial beaucoup plus antique. Ça beaucoup plus moderne en fait d'architecture, okay. Mais l'autre là beaucoup plus antique. Mais c'est même démarche qui a continué comme si perpétuer la mémoire, faire nous songer que bon, aucune chaîne événement qui était déroulé là, voir un tonnerre, plus m'en met, comprendre toute l'autre généraux, femme ou garçon, parce que nous, une histoire tout le temps, c'est masculin, et pourtant, il n'est pas vrai. Femme était là tout, ouais, femme ou garçon, et puis qui rédige un acte pour permettre que le monde entier connaît à partir d'aujourd'hui, nous pas bien même encore, à partir d'aujourd'hui, nous c'est monde, tant pour tout le monde. Et on va prendre l'acte de l'indépendance. On va clé bien aimé que toujours frappé, on lui dit en 1, ici, fait au Gonaïve, ce 1er janvier 1804, en 1 de l'indépendance. Ça veut dire son nouvelle naissance. Et c'est une nouvelle naissance ça, que nous y tout, tout ça a subi comme drame, comme souffrance et comme doute. C'est 1804 qui est en question. 1804 qui est en question. Parce que nous avons trois périodes d'histoire d'Haïti, une période précolombienne, une période coloniale, espagnole, française, et puis une période haïtienne. Période haïtienne inaugurée par 1804 avec une nouvelle vision. Okay? Et nous sommes liberté ou la mort. C'était avec nous Mathieu et Jodia, équipe Haïti, de visiter notre mémorial là. Nous te joignons avec Mathieu. Et j'ai l'impression que en pile monde commence à comprendre qu'il s'agit de mémorial. Et à chaque fois où tu as dit ouais, vin Gonaïve, faut ta chercher qu'on est qui ça qui mémorial côté que et qui c'est un patrimoine pour pays nous et pour tout le monde. Ça veut dire et merci Mathieu parce que vous avez un petit temps ça pour capable offrir tout le monde qui ensemble avec nous et qui va ici à travers créativité la caille. Oui, qui va ici. Oui, pendant on dit merci à depuis mon ville là. Un mot fondamental, quelle que soit tendance mouvement, quelle que soit religion, quel que soit niveau, il toujours dit merci en pile. Moi, je prends pile bagaille. Donc, merci le fait que vous avez ça. Merci, c'est équipe Haïti à travers créativité à la taille ensemble avec Joanne. N'a pas pour l'autre mois dans une plus belle vidéo encore.